اهلا وسهلا في هذا الفيديو الجديد مرحبا بكم في قناتكم لتعلم اللغه الفرنسيه اتمنى ان تكونوا باحسن حال وانتم تشاهدون هذا الفيديو نص هذا اليوم يتحدث عن السعاده لو بونور لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس وكذلك الضغط على زر لايك ان اعجبكم الفيديو لو بونور dans un monde où règne le malheur le chagrin et l'amertume. L'homme demeura toujours dans une recherche permanente de la tranquillité et de la paix intérieure et extérieure. C'est pour cela qu'il peut faire l'impossible pour arriver à son bonheur. Or, la conception du bonheur diffère d'une personne à une autre selon ses conditions, ses ambitions et sa façon de voir la vie. D'abord, on se trouve toujours heureux quand on est entouré de personnes chères à nos cœurs et des amis fidèles sur qui on peut compter. Donc, le véritable bonheur, c'est l'amour partagé sans limite et sans arrêt. Ensuite, le bonheur, c'est la recherche d'un équilibre entre ce qui est matériel, spirituel, sagesse et paix afin d'avoir une vie calme, confortable et heureuse. En guise de conclusion, le bonheur n'est pas la recherche de la perfection, mais le pardon de l'imperfection et l'état durable de satisfaction et de sérénité. On passe maintenant à la traduction. En arabe. Le bonheur. Le bonheur. Dans un monde où règne le malheur, le chagrin et l'amertume. Dans un monde où règne le malheur, le chagrin et l'amertume. L'homme demeura toujours dans une recherche. L'homme demeura toujours dans une recherche. Permanente de la tranquillité et de la paix intérieure et extérieure. Permanente de la tranquillité et de la paix intérieure et extérieure. C'est pour cela, il peut faire l'impossible pour arriver à son bonheur. C'est pour cela il peut faire l'impossible pour arriver à son bonheur. Or, la conception du bonheur diffère d'une personne à une autre. Or, la conception du bonheur diffère d'une personne à une autre. Selon ses conditions, ses ambitions et sa façon de voir la vie. Selon ses conditions, ses ambitions, et sa façon de voir la vie. D'abord, on se trouve toujours heureux. D'abord, on se trouve toujours heureux. Quand on est entouré de personnes Chers à nos cœurs. Quand on est entouré de personnes chères à nos cœurs et des amis fidèles sur qui on peut compter et des amis fidèles sur qui on peut compter. Donc, le véritable bonheur, c'est l'amour partagé, sans limite et sans arrêt. Donc, le véritable bonheur, c'est l'amour partagé, sans limite et sans arrêt. Ensuite, le bonheur, c'est la recherche d'un équilibre. Ensuite, le bonheur, c'est la recherche d'un équilibre entre ce qui est matériel, spirituel, sagesse et paix. entre ce qui est matériel, spirituel, sagesse et paix. Afin d'avoir une vie calme, confortable et heureuse. Afin d'avoir une vie calme, confortable, et heureuse. En guise de conclusion, le bonheur n'est pas la recherche de la perfection. En guise de conclusion, le bonheur n'est pas la recherche de la perfection. Mais le pardon de l'imperfection est l'état durable de satisfaction et de sérénité. Mais le pardon de l'imperfection est l'état durable de satisfaction et de sérénité. Maintenant, je vais... Relire le texte. Le bonheur. Dans un monde où règne le malheur, le chagrin et l'amertume, l'homme demeura toujours dans une recherche permanente de la tranquillité et de la paix intérieure et extérieure. C'est pour cela, il peut faire l'impossible pour arriver à son bonheur. Or, la conception du bonheur diffère d'une personne à une autre, selon ses conditions, ses ambitions et sa façon de voir la vie. D'abord, on se trouve toujours Heureux quand on est entouré de personnes chères à nos cœurs et des amis fidèles sur qui on peut compter. Donc, le véritable bonheur, c'est l'amour partagé sans limite et sans arrêt. Ensuite, le bonheur, c'est la recherche d'un équilibre entre ce qui est matériel, spirituel, sagesse et paix, afin d'avoir une vie calme, confortable et heureuse. En guise de conclusion, le bonheur n'est pas la recherche de la perfection, mais le pardon de l'imperfection et l'état durable de satisfaction et de sérénité.